Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? La Kioma o estas? Estas la noa caig vardegdu. Il est 9h42. Je vous remercie. Et d'un guidé. Nous sommes samedi matin, le temps est au beau fixe. Frédéric, la quarantaine, marche dans la rue. Celui-ci a décidé de s'aérer l'esprit en profitant de la fraîcheur matinale, afin de retirer la somme d'argent qui lui sera utile depuis ses achats de la matinée. Il s'approche d'un distributeur automatique de billets. Frédéric saisit son code d'identification sur le pavé numérique et... Oh bah, ça marche pas ! Bon, bah, maintenant je retourne à ma halle et je vais faire mes courses. Je prends mes clés. Où est-ce que je les ai mises? J'ai paumé les clés de ma Harley. C'est alors que passe un bus. Frédéric est tenté car il a un peu de temps devant lui. Raté! Merde! J'ai pas de bol aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, moi non plus je n'arrive rien à faire correctement depuis ce matin. C'est fou que nous ayons aussi peu de chance tous les deux aujourd'hui. Il semblerait que l'univers soit contre nous. Je ne demande qu'à vous croire. Dites-moi, seriez-vous tenté par un pierre-feuille-ciseau? Tentons le hasard. Si vous gagnez, je vous donne mon numéro. Ainsi vous pourrez m'appeler si d'avenir il vous arrive d'étranges aventures. Lui qui est étrange, bah, il n'a pas l'air méchant. On va rentrer dans son jeu, on verra bien. Je m'appelle Olivier, mon numéro c'est le 06-31-13... Encore raté! Bah, n'entrez pas n'importe quoi, voyons! Ne vous inquiétez pas, votre numéro, je l'ai mémorisé. Bon, je vérifie qu'elles sont pas dans mon manteau, mes clés... Bien vu! Bon, ok! Mais d'habitude, je les fous dans mon pantalon. Frédéric, retrouvant ses clés, se rend alors au supermarché. Après quoi, il rentre chez lui ses marchandises dans son sac. Vous savez, depuis ce matin, tous mes digicodes sont erronés. Ça y est, c'en est fallu de peu que je rentre du centre-ville à pied, ne trouvant plus mes clés de moto. Deux ans. Quel étage ? Septième. Bizarre ce bruit. Toujours présent avant d'étranges événements. J'entends également un bruit étrange et récurrent depuis mon réveil. Et après ça, toute décision me semble aléatoire. Ah ben, vous tombez bien. Je voulais vous dire à tous les deux que je passais devant un certain bâtiment en voiture. Je pensais, j'ai eu un flash, une vision, et je nous ai vus tous les trois à une table et... Il y avait un autre homme. Tiens donc. Et puis, j'ai eu le sentiment que si nous nous y rendions tous les trois, peut-être pourrions-nous comprendre pourquoi tout nous semble si bizarre depuis ce matin. Quelle idée ! Et pourtant ? Bah, tu m'étonnes. Cette voix ? Les trois compagnons d'aventure descendent l'immeuble et se retrouvent dehors, la nuit tombée. Ah ouais, parce qu'il fait déjà nuit ? C'est quoi ce cirque ? Maintenant, on fait quoi? Dépêchons, allons dans ma voiture. Je vous suis en moto. Ah,
va essayer d'ouvrir la porte. Et toi, Zetoun, tu vas l'aider. Moi, je descends et je vous rejoins. La porte est fermée à clé. Oh, cette voix. C'est bien sûrement raison. Il se trame quelque chose entre ces murs. Attends, Fred. Je vais t'aider. Laisse-moi passer. Bon, on va tester ma force. Ça marche. Je me recule et j'enfonce en courant. Derrière laquelle se tient un homme qu'ils s'aperçoivent avant de s'arrêter. Mélange de surprise et d'incompréhension. Qui êtes-vous ? C'est l'évidence même. Le maître ! Le maître de quoi ? Le maître du jeu, évidemment. Évidemment. Voyez-vous, vous êtes actuellement investi d'une quête qui consiste à me détruire. Et si vous y parvenez, vous gagnez la partie. La partie ? N'avez-vous pas l'impression que votre journée a été une succession d'événements aléatoires, reliés arbitrairement par quelqu'un qui en tirerait les ficelles ? Je rêve, je rêve. Oui. Mais non, Olivier, vous ne rêvez pas. Vous jouez. Ah, très bien, nous jouons. Dans ce cas... Voilà. Pas si vite, mon vieillard. Olivier ! Mais qu'est-ce que... Eh bien oui, c'était ma quête. Je devais vous emmener ici tous les deux. Imaginez ma joie quand vous avez fait irruption hors de l'ascenseur, voulant nous y conduire. Vous faisiez le travail à ma place ? Prête ! Lâche ton arme ! Non, c'est plus. Sinon, je la tue. Ah ! Eda. Bien, Olivier, bien. Je refuse. Vous n'avez jamais fait mention d'un traître. C'est le jeu, ma petite. Le jeu ? Vous appelez ça un jeu ? Il est mort. Arrêtez vos conneries. Si c'est vraiment un jeu... Mais oui, c'est vraiment un jeu. Voyons si vous aurez plus de chance la prochaine fois. Nous sommes samedi matin. Le temps est au beau fixe. Frédéric, la quarantaine, marche dans la rue. Il s'approche d'un distributeur automatique de billets. Ah non, hein. Pas cette fois. Nous savons quoi faire maintenant. Ne vous inquiétez pas, nous avons repris le contrôle depuis ce matin. La chance finit par tourner. À tout à l'heure. Frédéric se rend alors au supermarché, après quoi il rentre chez lui, ses marchandises dans son sac. Olivier, retrouvons-nous dehors. Je passais en voiture devant un certain bâtiment. J'ai eu un flash, une vision. Je vous ai vus tous les trois. À une table. Il y avait même un autre homme. Tiens donc. J'ai eu le sentiment que si nous y rendions tous les trois, peut-être pourrions-nous comprendre pourquoi tout nous semble si bizarre depuis ce matin. Êtes-vous partant ? Je me recule et j'enfonce en courant. Trois compagnons enfants s'avancent dans une antichambre. Ils passent une porte et pénètrent dans une vaste pièce. Au centre se trouve une table à laquelle sont assises quatre personnes, eux-mêmes
et le maître. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ben là, vous venez d'y revenir et vous nous voyez en train de jouer. Ah, parce qu'on va refaire le truc comme ça. Pas mal. Attends, on va pouvoir faire mieux, tu vas voir. Tout va bien se passer cette fois. Bon, on arrive au moment crucial. Vous devez tuer le maître du jeu. Fred, qu'est-ce que tu fais? Lilith, il va prendre le katana, moi je prends le flingue. Et moi je regarde. Approche-toi du maître. Je suis en mauvaise posture alors. Bien, vous avez tué le traître parmi vous. Oh bah merde, je suis mort. Bien joué, Fred. Il ne reste plus que le maître. Alors, qui a gagné ?